Eh bien salut tout le monde, c'est Saturnus. Aujourd'hui on est parti pour une vidéo tuto comment télécharger Resident Evil Opération Raccoon City. Donc tout d'abord, avant de procéder au téléchargement de du torrent pardon, il faut avoir uTorrent, donc le logiciel. Je mettrai et Demon's Slayer, pardon, j'arrive plus à parler. Je mettrai les deux URL pour le télécharger dans la description. Et une fois que les deux sont faits, et ben vous allez sur le site qui sera dans la description. Le site c'estpasbien.com, un peu drôle comme nom, mais bon. Et c'est un torrent de jeu, et le jeu marche bien, je l'ai depuis 4 jours. Donc avant d'aller sur le site, je tiens à préciser qu'il y a des scènes un peu interdites aux... Il y a des scènes, pas un peu, pardon. Des scènes interdites aux mineurs. Donc, pas adaptées au jeune public. Voilà. Bon, on s'en fout, de toute façon, il suffit juste de cliquer sur télécharger le torrent Resident Evil Opération Raccoon City, machin. Et c'est bon. Donc on y va. Donc voilà, il est là, vous mettez télécharger le torrent. Et vous mettez enregistrer. Non, je précise pas. Voilà, donc il a été enregistré. Et bon, vous l'ouvrez. Et une fois qu'il est ouvert, ça va lancer directement. Enfin, tout ça va lancer automatiquement uTorrent. Pardon, je l'avais déjà ouvert. Donc c'est ça uTorrent. Donc ça va lancer directement uTorrent. Vous mettrez cliquer sur OK, ça va lancer le téléchargement. Le téléchargement va durer une journée. Non, on va dire. Si vous regardez des vidéos comment l'accélérer, moi j'ai fait comment accélérer les torrents et c'est un truc qui marche super bien. Donc voilà. Donc une fois qu'il est terminé, vous mettez télécharger. Pardon, qu'est-ce que je dis pas. Vous cliquez sur source, double-cliquez sur le torrent, et ça va vous ouvrir une image ISO avec, donc c'est ça, nickelaire, fichier ISO. Et le fichier ISO, vous allez l'extraire dans Demon's Slayer, qui est ça, et vous allez l'extraire ici, ou ici, n'importe où, soit là, ou soit là. Et ça va vous lancer, et si ça vous l'affiche pas ici, ben vous double-cliquez sur l'image là, et ça va le mettre sur un périphérique virtuel. Et ça va peut-être lancer, et ça va sûrement lancer l'exécution automatique. Si ça ne le fait pas, vous allez dans ordinateur ou dans poste de travail, ça dépend, mais bon. Et vous, il est là, vous double-cliquez dessus. Et moi, comme il est déjà installé, ça va me lancer directement le launcher. Voilà, bon, j'ai pas besoin, je l'ai déjà mis dans le bureau, donc vous mettrez à installer. Une fois qu'il sera fini d'installer. Et ben vous n'aurez pas besoin de déplacer des dossiers crack ou quoi que ce soit. Voilà. Ben une fois qu'il s'est fait tout ça, vous pouvez jouer tranquillement. Moi je l'ai depuis 3 ou 4 jours, je crois, je sais plus trop. Voilà. Et ben je vous dis ciao tout le monde. Allez, bye bye.